On dirait une raie, et franchement, je vous jure. Attendez. On dirait plein de raies des fesses, franchement. Je vous jure. Trop. Ils ont dû mettre une petite bouche, une petite langue, tu vois. Oh putain, mon véhicule est encore confisqué. Non, 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 mais. C'est pas. Mais j'arrête pas de confisquer mon véhicule aussi. S'il te plaît, tu veux m'accompagner? Ouvre-moi ton véhicule, s'il te plaît. Je veux rentrer. Voilà. Ils vont te tuer, voilà. Vous êtes tous des méchants. Les policiers, allez-y, hein. Allez-y, voilà. Défoncez-le. C'est un vilain patapouf. Par contre, toi, tu vas vite te. Non, mais. Non, mais. Vous voulez pas vous arrêter? Vous voulez pas vous arrêter vite fait? Voilà. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Non, mais. Y a un policier! Un policier, s'il vous plaît! Non, mais. Non, non, non! Je me barre! Son dernier s'est fait victime. Eh, on dirait pas le. On dirait pas le vé. Non, non, s'il vous plaît, écrasez-moi pas. On dirait pas le véhicule dans Destination Finale. Celui où, dès le début, dans le 2, où il y a l'accident là. Je sais pas si vous avez déjà vu Destination Finale 2. On dirait trop ce type de véhicule. Mais non, mais. C'est quoi ce. Je suis bloqué. Je suis. Oh, non, non! Tiens, victime, tu te fais écraser par les trucs de bois. Moi, je me barre. Allez, salut, on s'appelle. What? Eh, franchement, ça donne trop envie de faire une chose. Non, mais lance plus. Ça, c'est pas gentil. S'il vous plaît, arrêtez-vous. S'il vous plaît. Je fais du pouce, autostop. Messieurs. Autostop, monsieur. Salaud. Voilà, merci. Allez, on y va. Tous à la fourrière. En famille. Allez. Bien. En même temps, lire les messages pendant une course poursuite. Attention, attention, attention. Oh, punaise. Oui, oui, on va s'en sortir. Vous inquiétez pas. Non mais arrêtez de nous foncer dessus. D'accord. Attends, on dirait une tortue qui arrive pas à se remettre sur ses pattes. Allez. D'accord, la voiture patine beaucoup trop. Voilà, on y va. Oh putain, ça oh putain, il y a le sapin de Noël. Eh, on va y aller. On va aller voir le sapin de Noël. Hein. Le sapin était vers là. Je pense qu'il a. Oui, oui, il est à droite. Où est-ce qu'il est? Oui, à gauche maintenant. Je suis en train de me. Ah, voilà, il est là. Oh, le beau sapin, magnifique. Non, non, toi tu. Hop là, petite boule de neige. Hop là. Alors, ça fait quoi de se prendre de la neige en plein dans le dos? Alice? Non mais. Lui! Espèce de pyromane. On a dit pas de trucs comme ça. Franchement, le sapin est plutôt beau. Hein. Il paraît que les boules de neige ne sont pas des boules de neige. Enfin, des boules de verre, là. En fait, c'est des œufs d'aliens. Oui. Non, mais... Oh putain, il s'est pris une balle en pleine tête. Non, non, mais on broie pas ici. On fait pas le crapaud, là. Bra, bra. Ah oh, dommage, j'en étais presque. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, à me tirer dessus, là? Oh, d'accord. Par contre, je pense qu'on va aller vite fait dans. On va aller changer. Je vais aller vite fait dans un magasin pour m'acheter des. Une nouvelle tenue en fait. Fini la rigolade. Avant, on avait bien rigolé et tout. D'accord. C'est pas de ma faute, hein. Je voulais tenter un petit truc sympa.
Par contre, non mais toi, on va ma moto. Espèce de vilain chenapan, il voulait prendre ma moto. Tu prends pour qui, toi? D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Monsieur? Ah, vous êtes pas mort. Mais tu dois avoir froid comme ça. Bon, franchement, c'était pas méchant de faire ça, mais... Franchement, c'est pour vous que je fais ça, monsieur. C'est pour vous. Merci, la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Ça, vous avez plus chaud. Il fait froid. C'était pour vous. Mais non, mais c'était pas de ma faute. Mais il avait froid. Et franchement, ça partait du bonne intention, on est d'accord. Il allongeait par terre, Mais comment ça se fait que lui, il est mort? Il est pas mort, lui. Monsieur? Mais lui aussi, regardez, il a froid. C'est que rendre service de les allumer comme ça. C'est des malades! C'est des malades! C'est pas contre vous, hein. C'est pas contre votre ami non plus. Mais il y a un moment, j'essaye d'aider la populace. Voilà. Votez Coty. Si vous voulez avoir chaud plutôt que froid, appelez Coty. Si vous voulez voir des beaux stunts, genre on monte au-dessus comme ça tranquille et on atterrit comme ça, votez Coty. Si vous voulez voir quelque chose... Attendez, je vais vous montrer. Hein. Si vous voulez voir un stunt genre de PGM, tu prends comme ça, tu montes, tu fais ça, et hop là, votez Coty. Si vous voulez gagner du RP en faisant des cascades, votez Coty. Votez Coty, bah oui. Alors, ma petite dame, je cherche des hauts. Voilà, les hauts, c'est par ici. Alors, les hauts de festivité. Au festif. Voilà. Je vais l'habiller un petit peu mieux que ça, madame, quand même. On rigole pas. Non, je vais pas lui mettre des pyjamas. Ouais. Mais attendez. Ensuite, le bas. Où sont les bas? Ensuite. Pantalon festif. Ouais, c'est pas mal. Les chaussures. Putain, elle a vraiment un gros cul. Mais elle a grossi, c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Chaussures festives. Ben voilà, on va les mettre ça. Elle est belle comme ça. Avec sa petite tenue là. Non mais là, elle est magnifique. Là, moi, je vois une meuf comme ça dans la rue. Franchement, direct. Salut, ça va? C'est quoi ton numéro? On s'appelle et tout. Voilà. Je cherche même pas à comprendre. Des meufs comme ça, on en rencontre très peu. Et c'est dommage. Et encore le haut, j'ai mis un haut parce qu'il faisait un peu froid à cause de l'hiver. Hop là. Ah, tu peux les mettre après. Mikua, je l'ai pas... Non, merci, Sonden qui me fait prendre un arbre. Merci, hein. Merci beaucoup. Allez, on monte le mont Chiliad. Et on monte ça avec l'as, d'accord? Every morning when I wake up.